Cette semaine, dans votre émission préférée Vidéo Buzz, on repart encore sur l'affaire du prétendu couple Kees Bloom-Diana Bouly qui a connu ces derniers temps quelques rebondissements. On regarde. Vous savez, je ne vais pas m'exprimer aujourd'hui, mais demain je m'exprimerai. Quand je dis demain, c'est dans un futur. Quand tout sera calme et quand tout sera posé et quand tout sera moins problématique. Parce qu'il faut faire attention, n'oublie pas qu'on est dans un monde de fou. Dans le sens où tu vas dire un truc qui peut facilement se retourner contre toi. Pourtant, tu es celle qui dit la vérité. Mais un jour, non, je vais vous raconter la sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot, je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Tu m'aimes? Avec tout ce que tu défends comme valeur, ça peut être... Tu peux être quelqu'un, hein? Pour qu'après, ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Et je vous trouve... J'ai plus pitié de vous. Parce que vous savez, vous êtes tellement facile à berner, mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre quelqu'un qui vous fait passer des messages que lui-même il ne suit pas. Apparemment, le gourmet, là, ça fait parler beaucoup. Je comprends pas trop pourquoi. Kees Bloom est en train de venger Eunice Zuno actuellement. Ça vous fait mal. Parce que Kees Bloom, elle est chrétien, donc c'est fini. Point oui, point non, on va essayer non de le traîner dans la boue. Non, il est chrétien, mais il cache des choses, on s'en fout. Tu es femme. C'est Kevin Aubert même qui avait raison sur toi. Il me touche des filles comme ça, mais des serpents. Toi-même là, faut vérifier, on doit te faire une délivrance d'un esprit de serpent, anaconda qui est derrière toi. Tu es là, le petit te voit pas. Ma chérie, nous tous on a une fois pleuré pour garçon. Mais quand garçon dit qu'il veut plus de toi là, prends tes clics et tes cartes, puis va en brousse là-bas. Reste au Cameroun là-bas, on t'a envoyé. Je vous ai dit la dernière fois que la petite s'y est détruite intérieurement. Le serviteur de Dieu, qui est censé ne pas juger, est venu s'asseoir pour dire que elle s'exhibe. Par conséquent, il ne peut pas sortir avec elle. Il lui a dit je t'aime. Il n'arrive pas à sortir avec elle. Par contre, elle-même aussi, elle est tombée amoureuse. Et du coup, c'est difficile. Mais ce qui me sidère le plus, des filles avec des boulets, comme les escaliers. Des filles qui sont, quand tu les vois, tu as l'impression que ce sont des baleines échouées sur la plage. Se lèvent, l'insultent. Déjà que Kees la déçoit, il n'est même pas capable de l'assumer publiquement. Kees, parce que tu chantes pour Dieu, tu viens rabaisser cette jeune petite fille. Il dit qu'il ne lui a pas offert la bague. Et pourtant, il lui a fait la bague. Si tu aimes Dieu, va réparer le cœur de l'enfant d'autrui. Vous avez connaissance ce qu'on appelle engouement? Vous êtes là, vous écarquillez vos 45 moins 10 avec les dents comme les morceaux de sucre pour vous moquer d'elle. Parce que vous aimez vous réjouir du malheur de d'autres personnes. Kees Bloom, c'est un malmaïe. Il a couru à l'esprit de la petite fille là. Toi, tu ne donnes pas Bible, Nouveau Testament. Tu ne donnes pas un béni pour montrer que si tu marches avec mon frère, un béni pour chasser les mauvais esprits. Qu'est-ce que tu as écrit qu'il faut donner bague. Promesse pour dire que tu aimes vraiment Dieu pour marcher avec lui. Ça, c'est la sorcellerie. Vraiment, je n'ai pas aimé. Apparemment, Kees Bloom a affiché sa titulaire sur Instagram. Et sa mère spirituelle a dit, je valide. On peut être à l'église. Quand tu as une mère spirituelle, ton père spirituel, il dit, je valide une femme. Là, c'est la femme de ta vie. Mais si elle est vilaine, elle est lagbale, c'est la femme de ta vie. Donc, c'est vrai que la petite Diana Bouly a un lourd gourmet en ce moment. Un gourmet pastoral. Je ne serai pas non plus celle-là qui va condamner une fille comme Diana Bouly. Parce que les hommes, ils sont comme ça. Ils viennent par curiosité. Ils vous font plein de promesses qu'ils savent qu'ils ne vont pas tenir. Et une fois qu'ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient, pour se retirer, il faut qu'ils aient raison. Du coup, je me demande comment les gens font pour se moquer de la fille, pour la traiter de... Vous voyez l'affaire ici, les gars. Les enfants de Dieu, si, il faut qu'on tape un peu leur bouche là. Regardez ce que Kees Bloom va affirmer sur un plateau de télé. Et puis il dit qu'il n'a remis la bague à personne. Que la bague se vend sur le marché et que n'importe qui peut acheter. Donc si elles sont parties acheter là, de laisser son nom tranquille. Qu'il n'a rien à voir avec la bague que Diane Bouly porte. Qu'il n'a rien à voir avec la bague que Indira porte. Les amis, vous pouvez croire ça. On peut régner. Les gens qu'on connaît sur un plateau de télé comme ça. Donc, ça veut dire que soit c'est Kees qui ment, soit c'est Diane Bouly qui ment.
15 Bloom, notre dernier Mangbetou préféré. On lui a posé question. Il fait comme s'il n'entend pas. Sinon, nous tous, on a entendu l'histoire de la bague des fiançailles de Diana Bouli. La bimbo de TikTok qui met ses seins et ses plus tout en l'air, hein, au dehors. Et la même bague aussi de la petite soeur de Jésus, Indira. Donc, nous tous, on était là, on se posait la question. Quand vous voyez même les deux univers, même. Non. Même si on dit que les hommes aiment les choses qui sont opposées, mais pour lui là, le petit frère de Jésus quand même, ah, il a fait fort. Qu'est-ce que aussi, si tu as parlé à Dieu, qui t'a dit qu'il ne faut pas te marier, il faut nous dire en même temps. Hein? Les filles, elles sont là, elles souffrent. Hein? En même temps, elles vont lever leur tête sur toi en même temps. Si tu es parti, Dieu même t'a parlé pour dire, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu vas pas avoir des femmes, que tu vas me servir. Il faut nous dire qu'il t'a dit ça. Là, comme ça, les filles, elles vont se reposer. C'est qu'il y a, si on est assis, on le regarde. Hein? Il peut pas se jeter éternellement. Quand ça a pourri là, nous tous on sentit. Donc, pourquoi même on se presse? En tout cas, quand c'est le jour du mariage, je ne vais pas m'oublier. Oh. Comme je vois de vulgaires païens et de vulgaires païennes animés d'un esprit de sorcellerie notoire et d'un esprit de Jézabel qui veulent à tout prix briser la carrière de cet enfant. Je suis assis, je les regarde jusqu'à preuve du contraire. Kaïs Bloom ne va pas chez quelqu'un dont les petites filles sorcières qui tombent amoureuses bêtement des serviteurs de Dieu et qui après se mettent dans des positions de la victimisation à laquelle ferme la gueule. Qu'on laisse ce jeune homme servir son Dieu. Personne n'est parfait dans le monde. Moi, je suis le plus imparfait. Mais ça ne remet pas en cause la grâce que Dieu a mis sur la vie de chacun. Lorsqu'il était dans le monde, qu'il faisait le rap, que ça n'a pas pris, on n'a pas vu quelqu'un parler de lui. C'est pas maintenant que vous allez parler de cet enfant. Lorsque son soleil brille. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.